écoutez, c'est un tournoi en 3 matchs. J'ai inscrit Elliot et Labuse dans les 2 premiers matchs. Les gagnants des 2 combats s'affronteront pour le combat final. Là, on gagne et on récupère la relique. Très bien. Donc moi, en fait, on ne demande même pas de participer. Super. Ah, t'aurais aimé te battre contre les plus grands guerriers du Japon? Non, non, pas du tout. Mais j'aurais bien aimé qu'on me demande. Ensuite, j'aurais refusé. Parce que c'est comme ça qu'on fait. Et là, tout le monde aurait été content. Et bienvenue dans ce grand tournoi pour gagner la relique ancestrale confiée par le grand esprit au manteau aussi blanc que la cime du mont Fuji. Tout à fait. Et pour ce premier match, nous avons Shigeru le ninja contre Elliot l'humain. Un drôle d'humain, si je peux me permettre. Vous pouvez vous le permettre. Les adversaires se saluent. Et c'est parti. Shigeru le ninja sort un shuriken et le lance de toutes ses forces. Oh, le shuriken a rebondi sur Elliot l'humain. Le shuriken s'est malencontreusement planté dans le torse d'un jeune homme à côté de la reine. C'est vraiment pas de chance. Thomas, ça va? Iris, je dois te dire... Et que tu m'as toujours aimé, oui, je sais. Non, alors pas du tout, je voulais te dire autre chose. Et mais... t'as pas mal avec l'étoile de ninja plantée dans ton cœur. Ce qui est planté dans mon cœur, c'est mon amour pour toi et ton dédain. Ouais. T'as pas l'air de trop souffrir pour arriver à faire des métaphores aussi nazes. Hein? Ah ouais, bah en fait, c'est un truc qui m'a protégé dans ma veste. Ah, c'est fou! Les clés d'Aliénor! Comme quoi, il faut toujours garder les objets dans son inventaire. Ta mère, les époques, les dangers, grande aventure les appels, c'est les poupées temporelles.